Imaginons le casse-tête, replacer 460 élèves de l'école Clair-Soleil de Lévis, fermée abruptement vendredi, je vous le rappelle. Ces élèves-là vont être répartis dans 5 autres écoles primaires du secteur. Le centre de services scolaires se dit forcé de fermer l'école pour plusieurs mois en raison de travaux importants. Et Guylaine, bon, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi chez les parents dans tout ça, là. Oui, Bruno. Regardez d'ailleurs derrière moi l'école Clair-Soleil, les travaux d'ampleur là quand même. D'ailleurs, la semaine dernière, ce qui est arrivé, c'est que des matériaux se sont affaissés près d'élèves et c'était la deuxième fois que ça arrivait. C'est arrivé en avril aussi. Donc, le centre de service scolaire a décidé de fermer l'école et aujourd'hui, on apprend que les élèves, les 460 élèves, regardez le tableau, vont être transférés dans 5 écoles. Ici, autour, la plus loin, l'école des Grands Voiliers est à 9,8 km. Donc, ce n'est pas rien. C'est un casse-tête pour bien des parents. C'est une deuxième rentrée pour leurs enfants. Donc, les parents sont inquiets, vous l'avez dit, et les enfants ont été mis en danger, selon eux, par ces travaux de construction. Et en plus, comme je le disais, ils vont devoir vivre avec un déménagement. Je me dis, waouh, ça fait 3 semaines qu'on est à l'école. Ils viennent de terminer peut-être leur adaptation. Et puis là, pouf, on va lancer nos élèves à gauche, à droite, dans des écoles qui sont déjà pleines. Soit dit en passant. Donc, c'est pas juste les 460 élèves de Clair-Soleil que ça touche, là. Ça va être les milliers d'élèves des autres écoles de Saint-Nicolas, peut-être des autres quartiers de la ville de Lévis que ça touche, qui vont perdre des services, peut-être leur classe de musique, leur classe d'anglais. Une mauvaise planification, une mauvaise gestion, là, c'est ce qu'on voit qui se... En tout cas, qui semble émerger, de pointer à l'horizon dans cette situation-là, mais ça soulève beaucoup de questionnements. On attend impatiemment la rencontre d'information qui va avoir lieu à Leslie, là, mardi soir. Mais on espère qu'ils ont un plan de match clair et solide en main pour nous rassurer. Bon, quand on remonte l'organigramme, là, on va jusqu'au ministre de l'Éducation, on a une réaction? Oui, M. Drainville a réagi là, par écrit, par la voix de son cabinet. Regardez la citation. Il dit que la situation est très inquiétante, en gros, et qu'il garde contact avec la direction générale du Centre des services scolaires des navigateurs et que l'école va rester fermée là, pour des questions de sécurité tant ou aussi longtemps que c'est nécessaire. On a aussi parlé à la porte-parole libérale en éducation qui nous dit que les sommes doivent être mises pour accélérer les travaux. Heureusement, aucun enfant n'a été blessé, ni aucun membre du personnel n'a été blessé. Mais d'abord, un chantier pendant qu'il y a des enfants à l'école, c'est complètement absurde comme situation. Les travaux auraient dû être faits cet été. Moi, ce que j'ai demandé à M. Drainville, le ministre de l'Éducation, c'est de débloquer les ressources nécessaires afin que le chantier roule à plein régime. Ça, ça inclut aussi de travailler le soir et la fin de semaine. Alors, Bruno, le Centre de services scolaires des navigateurs réserve là, ses commentaires, ses explications pour demain soir. Il y a une rencontre avec les parents. Sûrement qu'il va y avoir beaucoup de monde sur place. Alors, beaucoup de questions. Merci, Guylaine.